نتمنى هذه السنة 2022 لرئيس الجمهورية رأس الدولة قائد الآل القوات المسلحة بالتهنئة السنة 2022 تكون سنة عافية واستقرار وتطور ونجاح هذه الحكومة الانتقالية اللي قايدته هو بسرور وبنية سليمة لعافية البلد والتساوي والتسامح في هذا البلد. وأيضا نتمنى للقوات المسلحة للجيش الوطني التشادي العافية والاستقرار والتقدم والتسامح والانضباط اللازم لنجاح هذه القوات المسلحة. نقول لكم بون عني الله يسوق خير في سنة جديد وكل تشادين وتشاديات وأرمي هنانا أرمي تشادين أورس أرمي إيد لا سيكريتي وسنة الفضة سي نجينا سنة صوابات ونجينا خرف نجينا خسارة موت هنا مرسال ده كله نجينا في سنة 2021 الحمد لله يعني ما جالنا شيء وبطاب ده بطن نجينا يعني في أرمي هنانا اليوم أبانتاس كتير وسعد لنا سالير انديسيال كله نجينا وذكرى آخر بريزيدان سمت شيف سيبران دي زارمي شالا وكنترون أنا أبا سما أنا قرات كله فمرقا لنا الله يجيب العافي وأي واحد إن شاء الله يهيش به بدون مشكلة إن شاء الله. À l'occasion du nouvel an, je présente mes vœux de bonheur, de prospérité, de la paix, de stabilité et de la sécurité dans toutes les zones du territoire. Au nom de l'État-major général des armées, au nom de tous les chefs de bureau et au nom de toutes les directions du service interarmées de l'État-major général des armées, pour que cette année soit une année de paix, une année de sécurité, une année de stabilité. J'ai mis à l'armée nationale tchadienne, aux forces de défense et de sécurité, nous voulons une bonne reste année 2022. Allah Jibalena fi Bolodanana Afo Salama. Ou nous voulons Jemial Pichadine, nous voulons une bonne reste année. Puis 2021, mois de décembre dernier, je crois, en Ligue 9 au juin, on a augmentation de salaire à nos soldats, ou ensemble des forces de défense et de sécurité. Anena inshallah man gassou le chat domaine la sécurité wo inshallah man gassou foka chey wo marana toujours ao toujours inshallah no continuer gdam man replier wara ba naskour al khaid al gwata sab al masalla ministre de défense kul naskourum katir jahado sana jadid wa sayyid rais al jamhouria qaid al gwata sab al masalla kul jahado لا حساك لا حد زادو سالرم وسوق الاكتيفيتي كتير هنا ارمدا ادلو فوق نشكرهم كتير ونقدم تحياتنا كله عشان الجديد ده اللي سيلنا سنه سلام سنه العافيه في الاني 2022 soit pour nous une année de le bonheur de prospérité de longévité. Au CMT, je leur souhaite une bonne et heureuse année 2022. À l'occasion de l'année nouvelle qui s'annonce, je voudrais souhaiter mes meilleurs voeux de bonté, de santé et de paix et de longévité. D'abord, au président du Conseil militaire de transition, le général d'armée, Mamad Idriss Déby Itno, membre du Conseil militaire de transition, au Premier ministre de transition et tous les membres du gouvernement. Je souhaite aussi mes meilleurs voeux au chef d'état-major général des armées et toutes les grandes formations. Mes meilleurs voeux aussi à tous les généraux. Sans oublier les officiers
sous-officier et gendarme de la gendarmerie nationale qui de tout temps sont debout chaque jour et chaque nuit pour faire la sécurité des personnes et leurs biens. Et je profiterai pour l'année 2022 qui s'annonce, demander à notre Dieu pour la paix, la stabilité et la sécurité dans notre pays. Aussi, je souhaite mes meilleurs vœux, surtout à la population tchadienne, qui ne cesse de collaborer avec la gendarmerie pour traquer les brigands et les délinquants et pour amener la quiétude au sein de la population et dans notre pays, le Tchad. À l'occasion de cette nouvelle année, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux. Tout au long de cette nouvelle année, les forces de défense et de sécurité continueront à œuvrer pour la paix. J'adresse mes vœux les plus sincères au chef suprême des armées. Qu'elle lui soit une année de réussite, une année de facilité dans le commandement. J'adresse mes vœux de tout cœur à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, un père, un fils, un mari, qui ont donné leur vie pour la nation. L'année 2021 était une année douloureuse. Nous souhaitons une année 2022 joyeuse. J'adresse mes vœux également à tous ces hommes et toutes ces femmes qui œuvrent tous les jours, corps et âme, pour la défense de la patrie. Au nom de l'armée de l'air, par ma personne, je vous adresse une bonne et heureuse année. Qu'elle soit une année de paix, une année de santé. Bonne et heureuse année. À l'occasion des fêtes de fin d'année, je voudrais adresser mes vœux les meilleurs et sincères de paix, de prospérité, de bonheur, de santé et de réussite. Mes vœux vont à l'endroit de ma famille, de mes parents, plus particulièrement à tous les militaires de l'intérieur et de l'extérieur. Nous présentons nos vœux à vous et à votre famille. Et comme vous le savez, l'année qui vient de s'écouler était une année noire pour nous. Nous avons perdu feu maréchal du Tchad, qui est également un aviateur. Nous prenons que cette année soit une année donc de paix, une année d'entente entre les filles et fils du Tchad, et une année de cohésion entre l'ensemble des forces de défense et de sécurité, de mener à bien notre mission régalienne. Askarana garde khassa netmanna lem afi o yabga afi fi balad kula. Que l'année qui viendra sera une année de prospérité, longévité, de paix, de la tranquillité au Tchad. La garde nationale et nomade du Tchad se tient perpétuelle pour la sécurité de la population tchadienne. Je forme aussi à vos familles que la paix de Dieu règne sur vous pour que nous soyons tranquilles dans notre pays. Be Ousmane Diouche, service ana digisi yani ni nqaddem le al fariq awwal rais al majlis al intiqali wa rais al jamhuriya wa qaid al ala al quwat al musallah siyadiya wa bi ismi nqaddem lahum al sana jadid wa yabqa al sana bit al afia wa sa wa sana al afia yani be Ousmane جيش حقنا يعني قاعدين في سوات قاعدين في الداخل ولا هو قاعدين في الخارج كله نقدم له ونقدم لأسر الدفاع ولغاية الآن القوات المسلحة الشهادية نقول لهم عشان يعني يبقى من سنة سيد وسنة بتالآفية وصار بيكم انتوا بعينها بأسراتكم إن شاء الله سيد. نشكر الفريق أول رئيس الحكومة الانتقالية وقائد الأعلى للقوات المسلحة بسايدين أنا الصالير أنا أسكر حقنا جين صاليريا. أشكر رئيس الجمهورية الجنرال محمد الرجبي بنهنئه السنة الجديدة وبأمل الذي قام به وديزم نهنئ جميع قوات حرس الجمهوري ديسي سواء في الأوفيس برا
سواء في نجمينا كلهم نحن بألف ألف مبروك للسنة الجديد وسنة نحن الشعب التشادي كله بالسنة الجديد نقول سنة إن شاء الله سنة خير وآفية والله يقدم تشاد وتلازم أهل أسرتي وأهلي إن شاء الله بالسنة الجديد إن شاء الله بمناسبة حلول عام الجديد سنة 2022 أقدم تحية طيبة وقيمة لبلادي ولشعب التشادي وخاصة جيش التشادي في داخل البلاد وخارجها وخاصة الديجيسي في دور الذي يعدي في حماية الوطن والمواطنين فحسب بحماية القارة الأفريقية فلذلك سعيد جدا يعني بحلول العام الجديد أبارك الجيش وأهنيهم نتمنى للسنة الجديد للصحة والسلامة والآفية والأسرة لقائدنا الجنرال دارمي محمد إدريس دبي هكنو وأيضا نتمنى للعافية والسلامة وطول العمر والأمن والأمان في بلدنا ثانيا نشكر للقائد الأعلى للقوات المسلحة جنرال كور دارمي أبكر عبد الكريم داود وأيضا نشكر كل قواتنا العام وفي الداخل البلد وفي الخارج البلد نتمنى الصحة والسلامة والعافية والثانية نشكر قواتنا قاعدين في الخارج البلد في بالأخص في المالي في تسليت وأجلهوف وكيدال قواتنا في النيجر تيرا وكله نتمنى لهم صحة وسعيد والصحة ونشكر كل الأقوى يعني قاعدين في العمل في مهمتهم 2022 نتمنى من الله في دولتنا أول تبادي نبوء عافية وسلامة نشكر ثاني مرة رئيس الدولة أميز زادا جلوسنا أرمي نشكر كثير من رأيك زادا أنا صلدا عشان بلانا بلا صلدا إيد بنا يمشي عشان فكر فيه بقى الناس زادا أنا فراني ميلان مرة رأيك عشان دا نتمنى يعني كل جادين يكونوا يجيهوا معه عشان نعاونوا في دولة جنا نقولوا دا في نتمنى في دولتنا لانه 2021 a été une année particulièrement très difficile pour tous les Tchadiens de manière générale et les forces de défense et de sécurité en particulier à cause des événements malheureux au Nord Kanem. L'occasion de la fête des années j'adresse à tous les responsables militaires à différents niveaux, mes collaborateurs et tous les personnels de la Direction Générale du Génie Militaire, mes meilleurs vœux pour l'année 2022. J'adresse mes vœux et la santé, la prospérité et l'espoir de l'armée nationale tchadienne et de la population en particulier. Et aussi toute l'hiérarchie militaire, à savoir le CMT et les restes des grandes formations. L'année écoulant a eu des amertumes, mais grâce à Dieu, nous avons eu la paix totale aujourd'hui dans notre territoire sur les 1,284,000 km². C'est dû aux bravoures des forces armées nationales tchadiennes et aussi à l'aide de la population tchadienne. Aussi, je souhaite que ça enterre totalement le conflit intercommunautaire pour que vraiment la population vit en harmonie. Je souhaite une heureuse année pour tout le monde, le peuple tchadien, plus particulièrement la force de défense et de sécurité. Je souhaite que l'armée de notre pays soit armée intègre. Mes vœux à l'endroit du peuple tchadien, à l'endroit de notre armée qui est en train de combattre en dehors de notre territoire, je les encourage
personnellement, le peuple est derrière eux, et quant à l'armée, elle est derrière aussi le peuple. L'armée sort du peuple. Mes voeux à l'endroit de notre armée. J'adresse mes voeux les plus ardents aux forces de défense et de sécurité, ainsi que tout le peuple tchadien, les voeux de santé, de bonheur et de paix, et que le dialogue national inclusif puisse se passer dans la quiétude, dans la paix, dans la joie pour tout le peuple tchadien. À l'occasion des nouvelles A, je profite de l'occasion pour adresser mes meilleurs vœux qui vont d'abord à l'endroit de la plus haute hiérarchie militaire et l'ensemble des personnes civiles et militaires de l'ANT. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2022. Cette période de fête et la fin de l'année demeure un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel pour être reconnaissant de la chance que nous avons d'évoluer au sein de l'état-major général des armées. Je profite de cette occasion pour adresser au nom de toute l'équipe du premier bureau de l'état-major général des armées nos meilleurs voeux au chef d'état-major général des armées. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite et plein succès, tout en lui adressant une bonne et heureuse année 2022 à sa famille et à tous ceux qui lui sont chers. À l'occasion de la fête de Nouvel An 2022, je souhaite mes voeux les meilleurs au chef d'état-major général des armées et à son staff, ainsi à tous les militaires et leurs familles. Que l'année 2022 qui s'annonce soit pour toute l'armée nationale tchadienne et une année de paix et de réussite dans tous les domaines. Pour l'année 2022, je souhaite bonne et heureuse année au président, au vice-président, au ministre de la Défense, au chef d'état-major général et à l'ensemble de mes collègues en tenue, au peuple tchadien, de santé, de bonheur, que soit une année de paix, de prospérité pour l'ensemble du peuple tchadien. Bonne fête à tous les Tchadiens et tous les armées nationales tchadiennes. À cette occasion de la fête de fin d'année, au nom du 5e bureau, je présente les vœux les meilleurs à toute l'armée nationale tchadienne, qu'il soit ici, à N'Djamena, dans des zones opérationnelles et ailleurs dans des missions onusiennes. Je leur présente mes sincères félicitations par rapport aux actes qu'ils sont en train de poser au nom du Tchad. Je souhaite mes meilleurs vœux. Je souhaite aussi que cette année soit une année de paix, de cohésion et d'entente. À la veille du nouvel an de 2022, je voulais vraiment présenter mes voeux à l'ensemble du peuple tchadien. Je voulais dire à mes amis et frères d'armes que l'année 2022 sera une année meilleure pour nous et que nous devrons vraiment être à l'écoute de nos populations pour ce qui est de notre mission, la défense de la patrie, la sécurité des personnes et leurs biens.